vu quatre chansons. La première, c'est le Hallel, puisqu'on a parlé du Hallel, et c'est Pitruli Sharet Tzedek. Donc, les paroles, Pitruli Sharet Tzedek Avovam Odeya, Ze Achar Lachem Tzadikim Yavo Uvo. Et donc, vous comprenez les paroles du Hallel. Pitruli, ouvrez-moi, Sharet Tzedek. L'oreille était aux niotes? Ah, ok, Besader. Besader. Donc, j'enlève le. Ah, voilà, libéré. Et donc, comme ça, on entendra la musique de tout le monde. Et donc, comme vous comprenez bien, Pitruli Sharet Tzedek, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous ouvre les portes. Il y a beaucoup de portes cette année qui doivent être ouvertes dans cette fête de Pessah. Donc, on va prier avec ferveur. On a choisi un air que tous les anciens du Bnei Akiva, etc., des mondes jeunesse de France connaissent très bien. Les autres, vous apprendrez avec nous. Nous commençons. On passe au deuxième chant. Alors, le deuxième chant, je suis obligé de faire une introduction sur ce chant-là. C'est une adaptation d'un chant français que vous avez sûrement entendu dans les médias, qui s'appelle La Tendresse, qui a été chanté sans doute en premier par Bourvil, Zichrono Livracha, mais ensuite repris par tout le monde. Et cette chanson, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a été interprétée en ce moment par une cinquantaine de personnes en France, chacun confiné. Donc, c'est une chanson du bidou de la Corona, et interprétée par tout le monde ensemble. S'il y a des gens qui ne l'ont pas encore vu, je leur enverrai par WhatsApp le lien pour cette manière de. Comment on appelle ça comment dire en bon français? Ouais, le hibou. Cette manière de. J'ai perdu le mot, mais en tout cas, c'est la manière dont ça a été joué. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que c'est tellement beau et tellement émouvant, et j'étais extrêmement ému de ça, que ça vaut le coup de l'élever et de mettre des paroles en ivrite sur cette tellement belle chanson qui s'appelle La Tendresse. Et donc, on l'a adaptée avec Mizmor le David, Hachem Roi Loersa, qui aussi a un Mizmor qui est tout à fait lié avec cette période de Magepha que nous vivons ensemble, en ce moment. Donc, on va commencer ensemble. Vous êtes bien entendu invités
à chanter avec nous, bien qu'on ne vous entendra pas en train de chanter. Comment ça commence? Non, mais je vais faire le solo d'abord.
deuxième chant. Maintenant, on passe au troisième chant. C'est le Nigun du Baal Shem Tov, que vous connaissez sûrement. Et vous êtes de nouveau invité à chanter avec nous. Et après, on passera encore un quatrième chant. La 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 la
vous avez entendu la flûte aussi, qui joue derrière. Et maintenant, nous allons passer au dernier chant, qui est Canferua. Alors, vous connaissez ce chant de Canferua, qui a été écrit sur les paroles d'un texte du Rav Kook dans Orot HaKodesh. Et j'imagine que tout le monde le connaît. Ce qu'il y a de très fort dans ce chant, dans les paroles du Rav Kook, c'est qu'en fin de compte, c'est un chant qui nous dit que chacun a des Canferua, des ailes pour pouvoir voler haut, et il faut les connaître pour pouvoir s'envoler. Alors, vous savez, comme tous, combien nous sommes sortis sur les Mirpasot pour applaudir les gens qui s'occupent de guérir tous les autres et tous ceux qui se dévouent pour aider les autres. Mais en fin de compte, il faut dire que chacun, là où il a ses Canferua. Chacun a ses forces, et chacun, je le sais et j'en suis sûr, fait aussi énormément de choses pour aider ses prochains, les gens qui sont proches d'eux. Et donc, nous allons chanter cette très belle chanson en pensant en même temps à cette chose à être renforcée. Et c'est par ça que nous terminerons notre partie musicale. Rav Ackerman, oui. juste avant ça, déjà, je voulais te dire qu'il y a eu plein de messages, de remerciements, à quel point c'est Neragesh, à quel point ça touche les gens, voilà, ce chant. Et est-ce que tu peux nous présenter qui était à la flûte derrière, qui sont les acteurs à part toi? J'ai un problème parce que c'est une voisine, elle est restée dehors, elle est restée dans le couloir. Et donc, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas nous dire. C'est notre voisine qui habite en dessous et qui joue magnifiquement de la flûte. Bon, okay. Je peux vous dire quand même, elle s'appelle Ruti, Veilum Shem, donc Pashut Shalom Mi'izot Isha Shem Magen. Mais je dois dire aussi que tous les gens que vous ne voyez pas derrière, il y a ma femme et deux de mes enfants et aussi encore une amie de ma fille, et on chante et on joue tous ensemble. Donc j'espère, je te remercie de transmettre les regachotes et les regachotes de tous les gens qui participent, et bien entendu nous aussi, on sent cette chose-là. Entre autres, donc il y a quatre guitares, il y a un ukulélé, mon fils David qui joue du ukulélé, et Aruti, la voisine qui joue de la flûte, et moi aussi à la guitare. Donc, dernier chant, c'est Ben Adam et Allez le Mala Allez. J'espère que vous pourrez chanter avec nous pour tous ceux qui le connaissent. Ouvrir lesquels micro.